Vibes. Je m'appelle Carmina Rai. Le jour où je suis née, c'est le jour où le monde s'est effondré. Les survivants ont dû apprendre à reconstruire leur vie sous terre. En surface, il n'y avait rien. Des cendres, le froid et la mort. Les gens pensaient que ça n'aurait pas de fin. Mais sans nous, la vie a repris son cours. J'avais déjà 6 ans la première fois que j'ai vu le soleil. Papa et maman ont eu le cœur brisé par ce qu'ils ont vu. Leur monde avait disparu à jamais, mais... mais pas moi. Je n'avais jamais rien vu d'aussi parfait. Nous n'étions pas les seuls à avoir survécu. Et lentement, mais sûrement, notre communauté a grandi. La vie n'a pas été facile, mais pendant un temps, on a vécu en paix. À Prosperity. Un nouveau foyer. Une nouvelle vie. De nouveaux espoirs. Mais, comme à chaque fois dans ce monde, c'était trop beau pour durer. Les ravageurs sont arrivés par l'Est, avec 2 sœurs à leur tête. Les jumelles. Quelqu'un leur avait parlé de notre petit paradis. Et ils avaient décidé de s'en emparer. On n'avait aucune chance. Ils nous ont pris nos provisions, nos maisons, nos familles. Il nous fallait un miracle. C'est là qu'on a entendu parler de Thomas Rush. Avec son capitaine, ils longeaient la côte ouest pour aider d'autres communautés à reconstruire. Et ils étaient à bord d'un train en direction de Hope County. Ma mère m'a envoyé leur parler pour les convaincre de nous aider à reprendre notre région. C'était notre dernier espoir. Notre salut. Mais là, tout a viré au cauchemar. Capitaine, vous êtes en vie ? Merci.
Seigneur, ils viennent. Ils viennent par ici. Debout, capitaine. Allez, debout. C'est ce putain de ravageur. Ils vont nous massacrer. Debout, capitaine, debout. Allez, lève-toi, copain. Nom de Dieu, Barnes. Si vous criez comme ça, vous allez les attirer vers nous. Rush, vous êtes en vie? Aidez-moi! Non, non, on n'a pas le temps, il faut qu'on se tire! Barnes! On va pas abandonner le capitaine comme ça! Ils arrivent, et vite! On doit rester bien groupés, c'est compris? Capitaine! C'est à vous de jouer. Un premier on doit trouver des armes, réunir tout le monde, et il faudra que vous nous trouviez une sortie. Plus facile à dire qu'à faire! Chaque chose en son temps, Barnes. Passez devant, nous on vous suit. Oh mon Dieu! J'écoute cette énorme. On doit trouver le wagon de l'armurerie, s'équiper et sauver le plus de personnes possible. Par ici, Bart. On suit le capitaine. C'est trop tard. On doit rentrer. Sauver notre chance. Jamais dû arriver ici. J'ai vu que la mission, je sais qu'on est censé aider les gens, je le sais bien. C'est que j'entends dire que ce sera majeur dans l'équipe. Notre équipe n'est jamais affrontée, mais là c'est pareil. Et je vois bien dans le regard des autres. Ils se disent la même chose, mais au bout du compte, les habitants de l'Ontario souffrent et j'ai besoin de notre aide. Thomas Rush pense que l'on peut y arriver. Alors, on y croit nous aussi. Je peux pas rester libère. Ici. C'est bon. Oui. Vous êtes en vie. Ils vont tous nous achever si on n'a pas d'armes pour nous protéger. Ravageurs, on vous y retrouvera. Allez. C'est un peu plus tard pour attaquer tout un train. On est foutus. Les ravageurs sont cinglés. On va prendre la train. Plus vite on trouvera tout le monde, mieux ce sera. Mon Dieu, des ravis. J'ai compris que l'on dit Carmina. On devait pouvoir tripler la quantité de notre production rien que pour la première année. Ça n'aurait plus rien à voir avec ce qu'on a fait avant. On aura du carburant, on aura à manger, mais j'ai quand même l'impression qu'il ne me dit pas tout sur la situation là-bas. Malgré tout, je vais aller plus que décider. J'espère qu'on n'aura pas de retard.
Non, on va pas l'inquiéter. Je crois vraiment qu'on devrait pas rester là. Ils débarquent comme s'ils étaient chez eux, alors que c'est chez nous. Tu marches. Alors, Barnes. Surtout que personne ne tire. On va voir ce qu'elle veut. Joyeux putain de Noël, bande de guignols. On a reçu un train entier rempli de beaux cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on a là? Des lapins. J'ai une petite question pour vous, les lapins. Vous pensiez que ça finirait comment? Vous débarquez dans un immense tas de ferraille, sous un nuage de fumée noire. Vous pensiez que ce serait discret? Vous voulez quoi, Barnes? Vous êtes du genre... à causer des putains de problèmes, ou bien à les résoudre. Quoi? Notre cher papa disait toujours que soit on cause des problèmes, soit on les résout. Il y a déjà beaucoup trop de problèmes dans le monde. On cherche des gens pour nous aider à les résoudre. Enfin, nos problèmes. Si tu résous les problèmes, alors dans ce cas, on te gardera. Bouffe, vêtements, flingues... T'auras tout ce qu'il faut. On a même la sécu. Mais si tu nous causes des problèmes, là, notre père nous a appris quoi faire dans ce genre de cas. Tu poses des problèmes, on te résout. Notre vieux père a résolu plein de problèmes en son temps. Ouais. Alors, mes petits lapins, vous allez... causer des problèmes ou vous allez les résoudre? On va choisir, on va les résoudre. On les résout, on les résout. On a résolu des problèmes partout dans le pays. On peut fournir l'eau potable, des abris, on peut faire tout ce que vous voulez. Barnes, la ferme! Toi, tu vas te faire tuer là-bas. Tu peux faire tout ça? Bah. Pas moi, mais. Mais Rush. Alors toi, tu vas nous aider à résoudre plein de problèmes. Allez vous faire foutre. Oh non, fallait pas dire ça.
Ah, elle veut bien aller se faire foutre apparemment. Elle. Ah. C'est bon? Donc, je repose la question. Vous allez résoudre tous nos problèmes, Monsieur Roche? Ok. Allez, sauvez-vous! Il m'a poussé de la falaise. Bon, voilà, je vais laisser là ce premier épisode. On se retrouvera pour le prochain. Ça roule? Salut les petits loups. Ciao.